normalement. Mais quoi? C'est trop fort! Ah! Ah! C'est beaucoup trop fort! Ah, mais le problème, c'est que. Ah, vraiment, c'est vraiment. Ok! Ok, c'est vraiment l'équipe de recherche biologique. Je peux plus lire les commentaires, enfin les trucs. Que je fus assaillé par une forme de vie. Il m'était jusque-là inconnu. Ouais, parce que. J'avais oublié que ce jeu était compliqué. Ce n'est qu'un plus tard qu'on m'a appris l'identité de mon agresseur. Le parasite X n'ayant pas compris la gravité de la situation, je partais en direction de la station lorsque la catastrophe se produisit. Quand X affecta mon système nerveux, je me suis évanoui. Et mon vaisseau pénétra dans une ceinture d'astéroïdes. Ah, carrément. Oui, je vois pas. Trois systèmes d'urgence de capsule de secours furent éjectés automatiquement, puis récupérés par les chercheurs. Tandis que mon transporteur à la base, les X se multiplient. En moins affectionnant toujours la combinaison. Les éléments organiques ne formaient ma combinaison. C'était tellement intégré à mon système qu'il devenait impossible de les extraire tant que j'étais inconscient. Des fragments de ma combinaison ont été retirés, chirurgicalement causant les éruptions cutanées. Mais X affecta mon système nerveux étant situé si profondément que les médecins ne pouvaient pas intervenir ainsi. Mes jours étaient comptés. C'est pour ça que dans le jeu t'es une merde. Oui, c'est en Bref, le chercheur découvrait un remède. Ils proposèrent à créer un sérum anti-X à partir de cellules métroïdes. La Fédération avait conservé une culture cellulaire de la dernière larve métroïde. Provenant de la planète RSCR-38, le vaccin fut préparé et injecté très rapidement. La destruction des parasites X fut immédiatement et totale. J'étais hors de danger. Je vais faire défoncer dans le jeu. Ça, c'est sûr. Pour moi, une nouvelle vie commençait. J'étais devenu une toute autre personne. En réfléchissant, je constate que la larve métroïde m'a sauvé la vie à deux reprises. Nous approchons de la station de recherche BSL, BCL. Je dois me préparer à l'armarage. L'éditeur du vaisseau vient de m'informer que nous approchons de la station de recherche appartenant à la laboratoire spatiaux biotrimétrique. L'équipe de recherche avait transféré ces dernières créatures que nous avions capturées et les fragments infectés de ma combinaison. Je me trouvais alors dans le bloc apparatoire. Peu après mon réveil, j'applique une nouvelle mystérieuse. L'explosion avait retenti cette station. Cet incident m'inquiète. Je me dirige actuellement vers la station, car c'est moi qu'on a confié l'enquête. Ma mission sur la station BSL sera surveillée par mon ordinateur de mon nouveau vaisseau. La Fédération m'a laissé de ce vaisseau à condition que j'obéissais à ce général artificiel. Je ne supporte pas l'autorité et pourtant c'est la deuxième fois que je me retrouve dans une situation pareille. Ainsi, je ne peux m'empêcher de penser à mon premier général. C'est génial! J'avais pas de commencer, je suis déjà stressé. C'est marrant, hein, parce que quand j'étais petit, j'étais pas si stressé que ça. Mais vu que je sais qu'est-ce qui va se passer dans le jeu, parce qu'il y aura LE méchant, LE connard, l'enculé qui va te one-shot. Et si je le vois, moi je cours, hein. Je le dis déjà. Soit je me cache comme une grosse merde, soit je cours.
Oh putain! C'est quoi tout ça? Une explosion a retenti à l'unité de quarantaine. Cette unité contient des capsules qui renferment les fragments de ta combinaison affectée par le parasite X et les étudiants prélevés récemment sur le hub. Bref, la cause d'explosion n'a pas été définie. La faut enquêter. L'unité de quarantaine est ici. Sois rapide et prudente. Elle ne dispose pas encore de toutes ses capacités. N'oublie pas, le terminal de carte sera notre point de liaison. Pense à t'arrêter en route. As-tu compris? Oui. Trouve l'unité de quarantaine. Hein, parce que je veux pas ouvrir la carte. Oh putain. Ouais, c'est un jeu sur Game Boy, donc t'as pas X et Y. Je sais même pas comment c'est que je stresse déjà. Ah, il peut s'accrocher. J'arrive pas. Merde. Putain, et vivement le saut périlleux et... voilà. Par contre, c'est vrai que c'est stressant ce jeu. Ah, le N. Faut que j'aille là. D'accord. Active la biologie, confirmer sa prudence. Faut que je monte. Ce jeu peut me stresser en 2 secondes, c'est pas possible, ce jeu me stresse déjà. Ah, je peux pas aller là. Je peux pas aller là non plus. Putain, je sens faible et stressé aussi, mais très faible surtout. Je peux pas aller là. Oh! Crapaud! Allez, viens, petit salopard! C'est quoi? Ça s'en va à quoi? Pas. Il n'y a rien d'autre dans ce jeu. Enfin, ici quoi. Ouais, juste ça. Si c'était juste ça, il faut pas me casser les couilles. Pourquoi hein. Les métroïdes, ça me fait toujours aussi stresser. Enfin, je sais pas c'est quoi le plus stressant. La version 2D ou la version 3D? Il n'y a pas d'énergie. Attends, mais c'est quoi passer en dessous? Bah non, on peut pas. Bah non, on peut pas. Y'a que quand elle a pas son armée qu'elle peut. Bah oui. Allez. Oui, voilà. Mauvaise nouvelle, le prélèvement d'équipe de recherche était infecté par le parasite X. Copiant sa proie, le X s'est camouflé dans un prélèvement. Avant l'explosion, un capteur avait détecté un parasite X et a son produit rapidement. En faisant cette créature, l'hôte, il prend l'ADN et sort. Voilà. Donc. Ce truc là m'a infecté et il fait une copie de moi. Cette copie de moi est la version finale de moi, qui est la plus forte du jeu. Et voilà. Squid semble être la seule bête noire des X. C'est pourquoi le sérum a agi aussi efficacement. Le sérum ayant modifié ta structure cellulaire, tu es présent immunisé contre X. Et tu peux poser également les parasites X, flottant sans hôte, simplement les touchant. Ainsi, tu peux recharger ton énergie et tes armes. Tu peux aussi restaurer ta capacité latente. Poursuis donc tes X flottants aussi souvent que tu peux. Attention, héberge de nombreuses espèces, parfois dangereuses. Nous devons écarter les X des zones d'élevage à tout prix. Ceci est vital, Samus. J'observe déjà une importante bioactivité dans cette zone. Les X se regroupèrent. Ainsi, ce que nous tous avec tes mères. Tu disposes que 10% de ta force de la frappe, voilà. Tes chances de survie sont donc infimes, connard. Les fédérations ont besoin d'une compétente en vie. As-tu compris? Ouvre la porte clignotante. Le caillou. Si je peux pas voir la carte. Ah bah, ça fonctionne aussi.
Attendez, parce que... Faut quand même se dire. Est-ce que ça va fonctionner si je fais ça? Oui. Oh, bah j'ai réussi à sauvegarder. Tiens, c'est mieux qu'avant. Je vous vois. Je vous... Enfin, je vous vois pas, mais je vous vois quand même. Oh, vous êtes quoi? Oh, c'est pas dangereux ces ennemis, hein, je vous dis déjà. Hein. Je peux pas passer par le truc, c'est con. Ouais, peut-être fournir dans la donnée intermédiaire téléchargeable. Si tu obtiens ces données, tu seras alors doté de missiles. Des choses des armes contre les ennemis. Le centre de données ici. Donc, vraiment, il faut que j'aille en haut. Génial. Oui, j'ai compris une mission. Tu disposes de 20% de chance de survie. En gros, c'est... Prends les missiles, sauf que tu crèves. Allez, merci. Voilà. Mais alors, dis donc. Cet ordinateur m'a rappelé qu'il y a mon ancien général Adam Kamalkov était un peu aimable, mais il avait le costume de m'appeler jeune dame en mission. Il ne s'agissait pas d'une falterie sarcastique, mais d'une marque de respect pour lui rendre hommage. J'ai donné son nom à cet ordinateur. Attendez, je parle avec quelqu'un sur Armino. Qu'est-ce que c'est que ça? Unité de recharge. Et unité de sauvegarde. Allez. Je dis déjà, moi, je vais m'arrêter. Peut-être après deux boss. Je sais pas en fait. Je suis un peu stressé parce que je sais qu'il y a du temps des fois et si t'as pas assez vite, bah tu meurs. Voilà. Et ouais, c'est juste pour ça. Et aussi pour les ennemis, c'est pour des gars aussi. Oh, des missiles, mais c'est pas comme ça, non? En plus, il est tellement nul. En même temps, qu'il y a l'idée de X là, putain. Non. C'est un quelque chose. Principal, les X sont sûrement dans la cause. Je vais voir ça. Quant à toi, trouve un moyen de prévenir à ton objectif. Je me sens stressé. Le problème avec moi c'est que je suis tout le temps stressé. Donc c'est quoi le bouton? B plus R plus B, oui. C'est quoi ça? Je pense que tu peux utiliser un missile sa mère. C'est là que je dois aller? Il y avait un... Oh oui! Missile dans ta gueule! C'est à moi ça! Ça va, ça peut être marrant ce jeu. Si tu stresses pas comme une sale mère comme moi. Ah mais c'est chiant en fait les X! Oh mais c'est drôle, c'est chiant! C'est pour ça qu'il y a un speedrun que tu dois faire le jeu sans te toucher une seule fois. C'est trop compliqué avec ce jeu. En fait, les X donnent... Oh putain. Oh putain.
Hein? Putain! Wow! Oh! Oh oui! Je m'en souviens où je suis. T'es sérieux? Ah! Ah, c'est trop dur! Comment je fais? Voilà. Dégage! Dégage! Saute! Wouhou! Aïe! C'était pour les boss, je galérais. C'est le premier boss et je galérais comme ça, quoi, mais putain. Putain, j'ai eu peur, quoi. Ah. Ça se met automatiquement, je crois que c'était... Ça va, le jeu il est assez marrant. Ça va, je me retrouve des... Je me retrouve mes trucs de performance. Le problème c'est que vu que j'ai plus de boutons, mais qu'il y a certains boutons qui servent un peu à rien, le problème c'est que des fois je peux un peu me prendre pour un con en disant bah c'est pareil, c'est plus vraiment. Faut que j'aille voir. Je peux pas aller en haut. Je dois voir le N, donc on va aller en bas. Quand j'en ai avec Tiroche, je me dis que besoin de ce jeu, bah reste pas c'est Master Home, c'est quand même. Putain. Ça. Les internes envahis par les X. Capteur se relève une unité étrange sur le secteur 1. Secteur simule l'écosystème. Pour t'y rendre, utilise l'ascenseur principal. La rampe puis l'ascenseur 1. As-tu compris? C'est là qu'on va commencer le stress absolu. Oh, oh. Ça va quand même. Aïe, le tombeau. C'est là que je vais détester. C'est là que je commence à stresser. Eh oui, c'est là. Voilà, c'est des X. Et elle a 100% de ma force. Comment ça, Poupilol? Putain, vas-y, je peux pas, c'est trop stressant. Quand je vais la voir, je vais courir, hein. Mais courir à le même coup. C'est quand même long. Voilà, c'est mieux. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Bah oui. Elle descend? Ah putain de merde. Oh. J'ai même plus envie de remonter, je vous dis déjà. C'est mort.
station principale maintenant la rampe d'accès. C'est pris sérieusement des gars. Ils restent leur service, quel délai hélas. Ils ne sont pas parvenus à identifier les responsables, mais ils se semblent très puissants. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un être humain. J'en saurai plus par la suite, sont attentifs à présent. Les rigs sont affectés, sans tenter d'adapter le milieu à leurs besoins. C'est ce qu'on utilise déjà. Nettoie les 5 réacteurs. Mais comment j'ai fait ça quand j'étais petit? Comment c'est que j'ai pas ce que c'est quand j'étais petit du coup? Oh putain, quand j'ai dit, je. En fait, ah ouais, mais ouais, pourquoi j'avais pas peur? Je comprenais pas le jeu. Oui, c'est Bunny, pas de bonne. Bunny, je suis là. Nya. What the fuck? Mais c'est dans ta gueule. C'est quoi ce bruit? Oh non, putain. Allez! Allez! Vite! Vite, sa mère! Ça urge! Oh, ils sont partis. C'est quoi ça? Salope. C'est quoi ces ennemis qui me font mal? Faut que j'aille où? Ouais, je vais là-haut, pire. Mais dégage! Et les jaunes donnent des vies et les verts donnent des munitions. D'accord, ce n'est pas ça. Dégage. D'accord, donc ok. Pas facile hein, ce jeu. Je suis très stressé. Non. Vas-y. Sa mère. Moi je reste appuyé sur le bouton. S'il le faut. C'est quoi ça? Oh non. C'est quoi ce truc de merde? Et d'où? Mais d'où vous êtes revenu vous? Attendez. Faut que j'aille là, il faut que j'y sente. Et si je descends. Je peux avoir d'autres choses, mais si je descends là, je peux avoir autre chose. Oh, putain, c'est la même chose, hein. Ça, quand même, donne des munitions. Donne des munitions! Connard, ceux-là. D'accord, bah, si c'est pas mortel. D'accord, c'est pas du tout mortel. Allez, salut! Merde.
bossure bien, sur bien dedans, plus bien dedans. Comment je fais? Allez, Samus. Je comprends pas. D'accord. Je déteste ces petits connards là, ils sont chiants. Lui, il y a des noirs. Les noirs sont les plus dangereux. Putain de merde. En fait, c'était des noirs. Ah, mais c'était déco. Connard, je suis quand même. Et je me casse. Il y a trop de galères dans ce jeu, putain. Ça va être mieux là. Peut-être qu'il y a un truc ici. Ah, peut-être alors, c'est mieux. D'accord. 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 Paf. Paf. D'accord. Sa mère. Putain, hey, j'ai plus de missiles là. J'ai plus de missiles. Pas de 15, mais... Ah non, peut-être pas, c'est pas 15, peut-être j'en ai 20. Oui. Ça oui, 20 peut-être. Ah, d'accord. D'accord. C'est la même galère. C'est la même galère depuis tout à l'heure. Putain, je me sens pas bien. Putain, en vrai. Quoi cette merde? D'accord. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Elle me saoule, hein. Je suis tranquille. C'était une sorte d'endroit pour avoir un truc en plus, mais non, c'est bien là où j'allais. Pourquoi pas. En fait, les rouges, ça donne tout. Ouais, c'est voilà. Pourquoi je me sens stressé? Ok. Save. J'ai trouvé de fusion. Save. Ah. Je me suis là d'avant. Tu es con, hein? Oh. Ah. Faut que
loupe son œil, son œuf de connard. Oh putain. Ah oui. Cul. Oh oui, j'ai plus de force. Je sens mieux là. Je sens que je vais combattre tout ce que je veux. Pas du tout. Mais bon, c'est déjà un bon début. Hop, mais il faut appuyer sur O pour grimper. Je sens quand je jouerai à m'enfuir d'ici, parce qu'il faut s'enfuir, hein, on se tous hein, ce jeu. Hein. On peut tous la fin du jeu, hein, s'enfuir. Hein, parce qu'il y a du timer. Hein. Je sens que je galérerai. C'est bizarre. Une salle qui sert à rien. C'est bien, non? Ah, il y a encore une salle. Je n'y ai pas été. Et l'autre, c'est la lave. Ouais. C'est... Voilà en bas. Je vais en bas, je m'en fous. Je n'ai rien à branler. Oh, je suis encore plus fort. Oh. Non, non, je ferai pas 100%, j'ai déjà. C'est un peu saisible. Oh, mais tout à quoi là, vous? Ah, non, je peux pas. Ah, non, je peux pas monter. Je suis obligé d'aller là. Alors, la galère est pas du tout là, non. Casse-toi là! Je suis coincé! Faut aller où? Je suis coincé maintenant, on va pas être loin. Allez là. Allez là. Allez, petite poule. Je ne peux rien faire! Au secours! Peut-être qu'il y a un truc où je peux. Les speedrunners, ils y arrivent facilement. Alors, je peux aller en haut. Comment? C'est des menteurs. Je peux aller là et puis après c'est fini. Voilà, c'est... Rayon de charge restauré. Stabilise, opérateur. Ah, peut-être qu'il faut que tu gilles. Peut-être, je peux utiliser ça. Peut-être qu'il y a un truc ici. Je suis coincé, déjà. J'ai même pas vu mon ennemi. Ah, il faut pas appuyer sur eux pour... Ah. Moi, je commence à avoir les habitudes de tout. Quel connard! Bien sûr. C'est bon. Petite boule. Jack. Je vais faire de la vie. Ah bah non, c'était mieux les munitions, ça oui. J'aime bien ce jeu, mais il peut être très stressant pour moi. Un coup comme moi, il est tout le temps stressé. Et c'est là tout le temps aussi. Ça, c'est la même chose. Donc on m'envoyait un message, alors c'est un truc de... c'est un truc là. Et j'ai lu de Pâques à Ramadan. Je sais pas si c'est mes yeux qui ont mal vu, mais et voilà. En plus je sais même pas quand ils font le Ramadan, donc c'est un problème. Il faut que j'aille où?
Ah si, j'étais peut-être au terminal là-bas. Ouh, là-bas, il est là-bas le terminal, bah oui. Maintenant que je pense, est-ce que je peux... Ah non, je dois quand même aller là plus tard, non? Je trouve que j'ai compris, ça bat les couilles. T'en détruis un, y'en a. Après, tu tues un ennemi, l'ennemi il revient en vie, mais d'une autre forme plus chiante quoi. Oh, voilà. Comme les speedrunners, hein. Ça passe, merci. Je re-sauvegarde, mine pour ça, oui. Bon. Vous allez bien sur le jeu? Pas trop stressé? Bah. Ben, en fait, non, vous s'en battez les couilles. Mais voilà. Secteur en particulier vers le secteur 2. Je vois que les c'est le secteur principal à l'aide. Le saboteur se trouve sûrement sur le truc, ça veut dire que secteur. Si vous demandez le lore de Samus, de Metroid quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas trop le lore. J'écoutais la question que je pensais à Adam, le vrai. Lui comprenait et terminait ses ordres par des objections, jeune dame. Il savait que je ne pourrais pas, voulant ainsi raffiner notre confiance, mais puis je me fiais à cet ordinateur. Ah, c'est chaud, hein. Ordinateur et tout ça, voilà. Ah, t'as les impets, t'as les pères. Oh Doudou, qu'est-ce que tu fais? Ça va me fixer. Fixe encore celui-là. Ah, c'est tout petit de la carte, oh, tant mieux. Pas mieux. Nous avons identifié le mystérieux saboteur. C'est un... J'ai pas le temps de lire. C'est un X qui t'est copié. Ça s'appelle le Sa-X. Le Sa-X s'est transformé à partir de la capsule qui enfermait vraiment affecté de ta combinaison. Une bombe puissante lui a permis de s'enfuir. De l'unité de quarantaine. Une explosion a ouvert les capsules contenant tous les X à l'origine de ce désastre. Mais dans l'immédiat, le Sa-X est notre plus gros problème. Le Sa-X te copie à 100% de tes forces, tu ne peux pas l'affronter. Si tu crois ses ennemis, fuis, ne t'avise pas à le combattre. Tu es encore très sensible au froid, un effet secondaire imprévu de Serum Metroid. Tel un Metroid, tu peux aller la geler par un rayon de glace. Bien entendu, le Sa-X est armé du rayon de glace. Si tu croises, échappe-toi. La base te prévient que les données de bombe sont prêtes, dans le sens de tes données. La bombe permet de fuir au cas où... Le sac se piège, la bombe qui permet de fuir. Quelle bombe? Voici le centre de données. Un verrou 1 bloque l'accès. Trouve une unité de sécurité et désactive-le. Ce verrou de niveau 1. Pour des raisons de sécurité, l'unité n'est pas sur la carte. Tu dois trouver une autre façon. Trouve une unité. Accès à la bombe. As-tu tout compris? Je suis pas serein. Pas très serein. Voilà. Je déteste cet ennemi. Je le déteste. Il fait peur. Il a moins de shots. Je suis trop de merde. Ça va aller. Est-ce qu'il meurt lui? Oh, il meurt. Ils meurent tous. Mais non.
Comment je fais? Ok, bah c'est déjà un... Ah ouais, les PV. Ah, je me suis bien fait enculer les PV quand même, hein. Ouais, ouais, enculer les PV. Allez. Donnez-moi de la vie. Merci. Ta mère? Là, ta mère? J'aime bien ce jeu, mais qu'est-ce qui peut être stressant? Je fais juste ça pour les PV. Hein. Voilà, c'est. Soyez sûr de ce que je fais. Vite d'avoir vu que sur moi. Hein? Je crois que c'était un petit secret, non? Sérieux? You kill me? Fuu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 
fait, la boule, c'est la base du jeu, quoi. Ah, CP, merde. D'accord. Faut que je me réveille plus vite que ça, putain. Quand je vois le Taz, quand je vois le mec faire le Taz là, il arrive facilement. C'est pas moi. Où je vais en fait. Enfin, c'est seulement maintenant que je demande où je vais, mais bon. Putain, c'est quoi qui se passe là? Putain, j'ai perdu plein de PV juste pour tuer un ennemi à la con qui me donne 10 PV quoi. Dis donc, ça me fait trop faire ça. C'est génial, j'ai fait un truc sans faire exprès, ouais, j'ai réussi à le faire aussi. Non. Mais quoi? On m'a fait monter. Oh non, c'est chiant ça. Ça rien dire que c'est pour la cuisine. Quoi? Ça rien dire que c'est pour la cuisine, non, non, final. Je... What the fuck? Pas le jeu. En fait, je lui dis, ouais, ça va, c'est bien, c'est une petite zone. Bah, regardez la petite zone là. C'est vrai que c'est une petite zone, hein. C'est une toute petite zone, c'est vrai, hein. Après, moi, tant que pas Jean-Michel. Jean-Michel Canard là. Ça c'est parfait pour un truc ça. D'accord, alors. Y'a rien ici. Ça je sais qu'il y a rien ici. Je le sais déjà. Je me souviens de cette partie là aussi.
Ouais, je m'en souviens. Parfaitement bien. Oh oui. Ça me gratte l'œil. Ça me gratte plus l'œil. T'es juste nul, t'as pas de bombe, t'as pas de combinaison, t'as pas de missile. Enfin si, un missile je l'ai, mais voilà. Voilà quoi. Bon, je reviens. Je sais qu'il y a aussi les super missiles et les missiles qui... Bonjour, alors, comment faire? Sérieux, je l'ai pris, fils de pute. Oui, on voit ma souris, c'est dégueulasse, on peut aller. C'est quoi ce petit mégalon là? Mégalodon. Ah, d'accord. Oh, en fait, il te faut des super bombes comme je viens de dire il y a 2 secondes. Oh putain. Oh putain, je suis trop mort. Attends, c'était très évident de faire ça, mais bon. Ah, il est chaud celui-là. Rien demandé cela, de toute façon que j'ai tué. Je comprends pas comment faire. Mais comment tu veux que j'y arrive? Ah si, je m'en souviens maintenant que tu penses, ouais, ça attire les arbres. Ici, si, si, bon, ça les attire, mais pas très vite, hein. Ah, je crois que tu confonds avec l'autre. Je crois que tu confonds avec l'autre. Avec la version GameCube. Attends, tu tues un gros comme ça et ça donne plus un type de 10. C'est des bâtards.
moi je m'arrête quand je vois Jean-Michel. Ouais, ne sois déçu. C'est bien ça. Plus de dommages, je suis content moi. Franchement. Comment je fais ça? Je suis coincé en fait, comme un con. Je pourrais aller plus loin. Mais... il faut des grosses bombes de sa mère que je n'ai pas. Parce que le problème c'est que je pourrais aller à part. Mais je peux pas en fait. Dès que je monte, dès que je suis là. Vraiment trop fort. Vous connaissez ce truc? Ça y va. Là. Comment je fais?
Cette vie au plus de content. Pourquoi ils sont tous pétrifiés? Ils sont tous pétrifiés. Ah, c'est quand même... Bon, technique, moi je m'arrête là, c'était bien marrant. Donc, sur ce, on se voit la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Moi, je dis la prochaine fois. Donc, voilà. Allez, ciao.